Et à Toulouse, un autre témoignage, celui du talonneur du stade toulousain, Chili Boy Ryle Pale. Aujourd'hui âgé de 27 ans, le rugbyman sud-africain se souvient des titres mondiaux de son équipe nationale et de ses rencontres avec le président Mandela. Un témoignage recueilli par nos confrères de TLT. Je l'ai appris en début de soirée, hier. Un ami m'a appelé. Cela m'a fait beaucoup de peine. Mon cœur s'est brisé. J'ai éclaté en sanglots lorsque je l'ai appris. C'est un jour de tristesse, mais je dois dire que je suis heureux de célébrer cette journée et j'espère qu'il repose désormais avec les rois et les reines du monde là-haut. J'ai eu le privilège de le rencontrer à différentes occasions. Le rencontrer, c'était bien sûr quelque chose d'exceptionnel. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est en 1995, lorsque je l'ai vu soulever le trophée après que les Springboks aient remporté la Coupe du Monde de rugby. Cela m'a donné tellement d'espoir et d'inspiration que je me suis mis à croire qu'il y avait alors une possibilité de réaliser un tel rêve dans mon pays.